Excellent. Il est entreprenant, agressif, excessif, jeune, insolent, vicieux. Ok. 12. 10 heures. Chroniqueur. Réveil, il pite sa cesse, quitte sa thèse, ingurgite son gaz, explique son gaz, recompte son pèse, y'a que ça qui l'apaise. Il ne sait jamais à l'avance à qui il s'adresse, qui l'agresse, mais il sait qu'il ne faut pas contredire son altesse. Nerveux, capricieux, aucunement dans la délicatesse, vicieux, à chaque délit pour les képis, le type de caresse, les yeux vitreux, à cause de cette houlite qu'il a roulé en speedé avec maladresse. C'est un chien qui n'a pas sa laisse, qui te met mal à l'aise, qui se la raconte sans cesse, en se collant pour Scarface, mais il en est loin. C'est soit c'est grave l'abus, ça part en grabuge, en couille puis en garde à vue. La spirale lui fait tourner la tête, surtout qu'il passe ses journées à se la mettre. Un style facile à reconnaître, on le grille à 100 mètres. C'est un naze dans l'art de l'entourloupe, il prend dans l'art à la rustre. Parce qu'attendre des lustres, ça frustre, déjanter les jours d'août. Il déteste le monde entier, sachant que c'est pas sur un chantier qu'il mettra de l'or sur son dentier. Seul, il ne pense qu'à sa gueule de manière excessive. Personne ne sait vraiment qui se cache derrière cette façade inexpressive. 17h, il est temps de réclamer son beurre. Les petites filles en ont peur, normal, il est loin d'avoir une phase de tombeur. Et tous les murs chaque cour, car on ne parle que de ça. Tous les jours dans la cour, les histoires de fous, les éclats sont idolâtres. Et comme Tupac chaque cour, les millions de rats, et pour rien au monde, ce rendez-vous. Les flics aussi, ça va barder. Un coup de feu retentit et tout part, ça court. Comme d'hab, les flics en retard à la bourre se traînent, élus comme d'hab, comme un renard se réfugie dans sa tour secrète. On verra plus tard comment s'effectuera le règlement de ses traites, en attendant de savoir derrière quel miroir se cachent les traîtres. Il gamberge, retourne toutes les situations dans son crâne, revoit le film à l'envers pour essayer de déceler la faille. Malheureusement, à part tu es ses faux pas, y'a personne dans le scénar, ça taille. Pour la première fois, il ne peut s'en prendre qu'à soi, mais la soif de maille. L'envie de s'asseoir sur autre chose qu'une botte de paille, lui faire prendre son travail. Le soir, ne mentit pas le ch'tard. Ouais, mec, c'est le genre de type qui en a rien à battre, car il a rien à perdre. Il joue sa dernière carte quand il est dans la merde. Mec, c'est le genre de type qui en a rien à battre, car il a rien à perdre. Il joue sa dernière carte quand il est dans la merde. Le sommeil agité s'étend, il reste sur ses gardes, à l'écart. Pensif, la laine nocive, son attitude se dégrade. Une fine barbe, un visage froid insensible. Un regard qui glace le sang, celui des passants pris en cible. Marche en ville la nuit sans but précis, qu'en prix d'une envie de jouer l'écran. Armé de son cran, barré complètement taré. La suite est la même sans arrêt. Embrouille, crie, les flics rappliquent sans tarder. Une suite logique aux histoires de ce gaillard étrangement égaré. Beaucoup, il reste le cinglé à épingler avant son prochain coup. Fais gaffe, là tu t'approches d'un fou, il aurait dû se méfier. Il a trouvé plus fort que lui et est reparti, le visage timéfié. Tout à coup stupéfait, le marginal qui s'est exprimé archi mal est en train de vivre une situation jusqu'alors inimaginable. Échange de regard, la garde ne tape pas, ça part en tape pas. Qui se fait péfra, même terre pas. Ça ne suffit pas d'avoir du baratin. Soudain, plus rien, il se revoit juste entrer dans un baratin. Puis il se disait que l'une d'elles gâterait. Après, ciao. Pour les euros, elle se gratte, reste grosse catin. C'était sans compter sur le Mac. Un dur de dur qui manie bigrement bien la batte. Tous les os atteints, plus qu'à rentrer dans sa tanière. De toute façon, les manières, on lui a inculqué à coups de lanière. Souvent dans les pires délires, toxiflardise, fainéantisme, flémardise, te traumatise. Avec en tête ce modèle de caïd, riche et peu donnant, qui finit sa vie aux Caraïbes. Vu que la demande dépasse l'offre, il n'a qu'une seule envie, celle de faire sauter le coffre. Ouais, mec, c'est le genre de type qui en a rien à battre, car il a rien à perdre. Il joue sa dernière carte quand il est dans la merde. Mec, c'est le genre de type qui en a rien à battre, car il a rien à perdre. Il joue sa dernière carte quand il est dans la merde. Au nouvel an, il avait pourtant décidé de changer. Une fois le but engrangé, il pouvait songer à se ranger, évitant le ballon et la gamelle pour manger. Se faire la belle à mal, rêver de voyager le soir, allongé dans un square, aller voir du pays Amsterdam, Madrid ou Tanger. Des souvenirs de cartes postales, des femmes, du rhum et du sucre de canne. Envahit son esprit le temps d'un trait qu'au moment de vague à l'âme. Une larme s'écoule contenant une part de sa hâte. Il envoie les armes, les drames, les caisses qui crament. Croit entendre les sirènes d'alarme, puis sa mère qui lui parle, il se sent mal. Car l'argent sale sans le sang, le monde veut de la nouveauté, lui un BM de toute beauté pour tracer dans le centre avec l'allure d'un chef de bande de l'époque où ça rivalisait à coups de chlasse dans le ventre. Mais pour lui c'est chaud, il a trop pris de mauvaises habitudes et surtout choisi d'adopter la mauvaise attitude. Chroniqueur, dans ce user. Mec, c'est le genre de type qui en a rien à battre, car il a rien à perdre. Il joue sa dernière carte quand il est dans la merde. Mec, c'est le genre de type qui en a rien à battre, car il a rien à perdre. Il joue sa dernière carte quand il est dans la merde.